Bonjour, je suis Sylvie Zellman, la directrice du musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin. La boîte de pastel que nous présentons dans le musée, dans cette vitrine, est en fait une boîte de pastel qui a appartenu à Jean Moulin. Jean Moulin s'est essayé à diverses techniques artistiques. Il était fondamentalement amateur d'art et lui-même avait un joli coup de crayon et était caricaturiste. Le poste de transistor était finalement un objet très important dans la vie des Parisiens sous l'occupation parce qu'il est un moyen de se tenir au courant, bien entendu, des informations données par le gouvernement de Vichy, mais aussi de capter des radios de pays libres, de capter la radio anglaise, voire Radio Moscou ou la radio suisse peut-être, et d'avoir d'autres informations que celles que veut distiller le gouvernement de Vichy. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Je vais vous présenter une carte un peu particulière. C'est une carte qui a été écrite par Jean Moulin à sa mère et qui a été postée le 18 décembre 1941. Jusque-là, ça paraît normal. En fait, à cette époque, Jean Moulin est à Londres. Et donc, en fait, cette lettre, il l'a écrite avant, de façon à ce qu'une complice la poste pour faire croire qu'il était à Paris. Le musée raconte l'histoire du général Leclerc, en fait, de Philippe de Hauteclocque, qui a pris un nom de guerre, Leclerc. Et dans cette vitrine, ce qu'on présente aux visiteurs, c'est la canne du général Leclerc, la fameuse canne du général Leclerc, tellement fameuse qu'il y a eu une chanson sur cette canne. Mais au risque de décevoir, ce n'est pas la seule canne du général Leclerc, puisque celui-ci en avait plusieurs. Alors, ça n'était pas dû au fait qu'il boitait ou qu'il aurait eu un accident, pas du tout. C'était un accessoire de commandement, c'était le bâton du chef. Raconter en quelques mots, en un document, la libération de Paris, un peu rapide. Mais voilà que Paris qui attendait sa libération et qui s'en voyait frustré, finalement est poussé à se mobiliser. À partir du 18 août 1944, la population parisienne est appelée à bouger. Et le colonel Roll, qui est donc le chef des forces françaises de l'intérieur de la région parisienne, a rassembler son petit noyau, son état-major parisien, dans le sous-sol. Et vous avez là les notes qui ont été prises par son chef des renseignements, en quelque sorte, Antoine Kergal, et qui écrit au 23 août ce qui se passe dans Paris grâce aux renseignements qu'il a pu collecter. Où sont les militaires allemands? Où se déroulent les combats sur les barricades? Tout est consigné dans ces papiers. Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré. C'est une robe de la libération que vous voyez là. C'est une robe qui a été cousue par Marguerite Sabot pendant l'occupation. Et cette dame, cette Parisienne, voulait avoir une robe bleu, blanc, rouge pour le jour où Paris serait libéré. Donc elle s'est confectionné cette robe ornée de monuments parisiens qu'elle a pu enfin arborer après la semaine de combats de rue et puis la journée de combats militaires qui ont fini par la libération de Paris. Le lendemain, le grand défilé du général de Gaulle a eu lieu et elle a pu enfin mettre sa robe.